Il y a un truc sur le mur avec des nombres. Essayez de le résoudre. Ouais, vas-y. Oh non, c'est du braille. Oh, c'est du braille, mais je suis pas bon en braille, moi. Yo, ça va ou quoi? C'est Bobby et on se retrouve sur Pokémon Gaia. La dernière fois, on a affronté Arbokman, le champion de l'arène de type poison. On l'a battu et du coup, on a récupéré le 5e badge. Et depuis, j'ai changé un peu l'équipe. Bah, on va voir ça. Voilà, j'ai capturé un Zigzaton que j'ai appelé Top Esclave. Parce que c'est l'esclave ultime. J'ai pu lui mettre toutes les CS dont on avait besoin. Et du coup, on a nos 5 Pokémon dans l'équipe. Bref, on va continuer tranquillement. Allez, c'est parti. Alors, on commence par affronter une petite fille. Une petite fille dans sa bouée. Chanta, elle s'appelle. Bon, Gastrodon. Bon, on va mettre Balombre, hein. On va pas se casser la tête. Hologramme qui est bientôt au niveau 40. Normalement au niveau 40 il évolue, il me semble. Ok. Il nous fait puissance cachée, mais apparemment on est immunisé. Donc ça doit être soit normal, soit combat, soit sol. On passe niveau 39. Il veut apprendre Dévorève. Non. On va pas lui apprendre des vos rêves. On en a pas besoin, je pense. Linéon. Bon, on est bloqué sur Balombre. Du coup, on va switcher. On va balancer Singerie. Ok, il va nous mettre quelques petits dégâts. Et là, on va mettre Close Combat. On va pas se casser la tête. Voilà, magnifique! Magnifique, le one shot assuré. La puissance de singerie. Allez, ça dégage. Hop, on a battu Chanta. On va éclater un petit caillou pour voir. Y'a rien dedans, très bien. Bon alors, du coup, normalement, je pense que c'est dans cette grotte qu'il faut rentrer. Hein. On nous avait parlé d'une grotte dans laquelle il y avait les New Elders. Donc ça doit être celle-là, on va voir. Fairy Ruins, ouais voilà, c'était ça. C'était Fairy Ruins. On va commencer par un montagnard. Maximino! Alors, il nous envoie Simularbre. On peut l'avoir, je pense, avec deux Balombre. Ouh, il fait Kuba. Il fait Kuba, il nous fait très 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 mal. Mauvais délire, ça. On n'a pas réussi à l'avoir parce que... Ouais, c'est ça, il a fermeté, je pense. Du coup on switch tout de suite, on va mettre Piggy, puis on va mettre genre éclat glace. Et comme par hasard il fait éboulement. Bon ça va, il nous fait pas trop de dégâts. Et on devrait le terminer tranquillement. Voilà, on a battu le Simularbre. Ok, il a vécu ça. Bon, on va mettre une potion quand même. Est-ce qu'il me reste des potions? Ouais, il m'en reste 12. Hop, une petite potion sur le gramme. Et on peut reprendre notre chemin. Ah, voilà, les New Elders. Il m'a dit, tu as choisi le mauvais chemin. Non, non, mais moi, je veux passer par là, hein. Tranquillement. Je vais t'éclater, puis je vais continuer. Ok, Ammonistar. On va mettre Balombre, on va voir. Bon, il fait abri, très bien. On remet Balombre. Je pense qu'on peut lui faire des bons dégâts. Ouais, voilà! On te défonce! Et derrière, bah, encore Balombre. On change pas une équipe qui gagne. Ok. Deux Balombre, deux KO, parfait. On avance. Il passe niveau 40, hologramme, ça y est. Est-ce qu'il évolue? Il me semble qu'il évolue niveau 40, mais... Peut-être que je me trompe. Et c'est ça. Hologramme évolue. Avec Ectoplasma, on va envoyer des pépites de qualité. Hein. Ouais, ouais, on sait que t'évolues, vas-y. Évolue plus vite. On n'a pas le temps. Oh, il est magnifique. Il est magnifique.
Parfait. Du coup, maintenant, on peut switcher, hein, maintenant qu'il a évolué. On va mettre singerie. Hop. Du coup, en fait, il nous reste encore Piggy à faire évoluer. Mais il faut qu'on trouve comment on peut avoir pouvoir antique. C'est ça, le problème. Alors. Un autre sbire. Ouh, Kaorin. Alors, Kaorin. C'est pas top. Je pense qu'on va switcher. On peut peut-être passer sur Piggy. Hein. On aurait pu passer sur Vegeta aussi, mais... Je pense que Piggy peut faire le job. Ça, ça augmente les défenses. Ouais, c'est ça. Ça augmente les défenses. On va voir avec éclat glace combien on lui fait. Ok. On lui fait même pas la moitié. Il augmente encore sa défense. Ah, je sais pas si ça va passer, hein. Ouais, là, s'il augmente pas sa défense... Oh non, mais... Sérieux, t'as que ça à faire que... Bon, de toute façon, il nous fait à peu près zéro dégâts. Il aurait pu le faire dès le début au lieu de nous faire perdre notre temps. Alors, on va mettre tunnel pour voir s'il a lévitation ou pas. Parce que s'il a pas lévitation, il va prendre des gros dégâts, mais... On va voir, hein. Ok. C'est un archéodong avec lévitation. Bah, du coup, on va switcher. On va switcher tranquillement. On va passer sur hologramme. Ah, je peux... Ah oui, il m'a bloqué. Je peux pas switcher. Ah, là. Bon. Sur Icy Wind, on fait combien? Ça sent pas bon, hein, parce que j'ai rien pour lui faire des dégâts, du coup. Ah ouais, je lui fais zéro dégâts. Il nous met Giro Ball. Bon, je pense qu'on va tomber KO. On va pas chercher. On va se laisser tomber KO parce que là... Autrement, le combat, il va être infini parce que je lui fais vraiment zéro dégâts. Non mais vas-y, attaque-moi. Fais-moi des dégâts, s'il te plaît. Mets-moi KO, hein. On va continuer de gratter un peu de dégâts. Bon, ça devrait nous mettre KO. Voilà. Piggy qui tombe KO. Et on va envoyer Bubule, tiens. Pour gratter un peu d'XP. Hop, hydroqueue. Ça devrait le terminer. Voilà, parfait. Ok, on l'a battu, elle. On va mettre un petit rappel. Alors, où est-ce que j'ai des rappels? Voilà. Un petit rappel sur Piggy. Parfait. Et on continue. On active le cherche-objet de temps en temps. Hein, pour voir, on sait jamais ce qu'on peut trouver. Bon, là, on va mettre lance-flamme. Hop, voilà. Singerie qui passe niveau 39. C'est toujours cool. Par contre, on va peut-être mettre un repousse. On va mettre un repousse. Alors. Faut qu'on trouve les repousses. On a trop d'objets. On a trop d'objets, c'est l'angoisse. Voilà. Un petit repousse. Et on continue. Ouais, je sais pas ce que tu dis, on s'en fout. Allez. Un autre sbire qui nous envoie Cranidos. Bon, on va pas chercher. Hop. Close combat. Oh, yo, les dégâts. Magnifique. Allez, vas-y, envoie. T'as quoi derrière? Qu'est-ce que t'as derrière? Ah, bah, son évolution. Close combat, pareil. Je sens le one-shot. Pas de soucis, là, je le sens, le one-shot. Voilà, parfait. Parfait. Hop là, ça c'est fait, voilà. Alors ensuite, un autre. On va enchaîner les sbires comme ça. Tout le long de la grotte. Bah, je sais pas jusqu'où elle va cette grotte, mais on va les enchaîner. Diggersby.
Excavaren. Excavaren, on va lui faire close combat aussi. Ça devrait one shot, hein. Eh oui. Allez, qu'est-ce que t'as après? Noirfang. On va mettre lance-flamme. Ok, on lui fait plus de la moitié. Il augmente la défense de l'équipe. Mais bon, lance-flamme, de toute façon, ça passe. Et ça le met KO. Bon, il en avait un troisième, je crois. Hein. Si je dis pas les bêtises. Eh oui. Oh là là. Eh ben, lance-flamme, hein. Sur le boule de nœud. Oh, le one-shot. Parfait. Parfait, singerie qui one-shot tout, ou presque. Ok, on avance. On va peut-être switcher, hein. On va mettre Bubule. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah là, il doit y avoir un objet. Eh oui, 5 éclats verts. Très bien. Pour l'instant, on a trouvé qu'un seul maître des capacités. Celui qui utilisait les éclats bleus. Mais bon, on trouvera bien les autres. Hein. Alors, Xatu. Bon, on va mettre Hydrocure, on va pas se casser la tête. Il nous fait Psycho, combien il nous met? Ouais, il nous fait au moins un quart des PV. Hein. On le tue pas, dommage. Non, sérieux, pas la confusion. Tout, mais pas ça. Allez, ne te tape pas, s'il te plaît. Allez. Ah, voilà, hein. Ça fait plaisir de se taper. On switch. La confusion, ça me rend dingue. On switch. On va mettre Piggy, je pense qu'avec éclat glace, ça devrait passer tranquille. Ok, il fait vœu. Hop là. On lui laisse le temps de rien faire. On le met KO. Alors ensuite... peut-être qu'avec un éclat glace... il y a moyen de le mettre KO en un coup. Eh non. On fait pas assez de dégâts. Bon, il rate son attaque. Parfait. Parfait, la chance est de mon côté cette fois. Voilà. On prend pas mal d'XP. On l'a battu, lui aussi. Et on avance. Là, il y a quoi? Je sais pas trop où faut passer. Apparemment, on peut passer soit en haut, soit en bas. On va voir. Hein. Alors, la tortue. La tortue... on va mettre câlinerie. Hein. On va lui faire quelques dégâts. Ok, malédiction. Ouais, ça nous va. Ça nous va. On continue sur câlinerie. Voilà, voilà. Allez, bisous. Qu'est-ce que tu nous envoies d'autre? Ah, bah son évolution. Ils aiment bien envoyer les évolutions comme ça. Je pense qu'il y a moyen qu'on le... Il y a moyen qu'on le mette KO en deux coups. Ah bah avec le coup critique, tu m'étonnes. Ok, il fait la malédiction, ça m'arrange. Ça m'arrange, on prend pas de dégâts. On lui remet câlinerie et on le met KO. Encore un coup critique. Oh. Autant des fois on a vraiment pas de chance. Et des fois on en a trop. Faudrait que ce soit équilibré, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Pff, on a une échelle. Très bien, et là... Les New Elders ne renoncent jamais. Ouais, mais moi je vous défonce tout le temps. Oh! Oh, il a la forme évoluée. Il a la forme 2.0 de Piggy. Oh là là, c'est triste. Nous, on est là avec, avec notre... avec notre cochignon. Et lui, il a Mamochon. Mamochon, le gros mammouth. On l'a défoncé, le gros mammouth, hein.
Oh là là, on a pris tellement d'XP sur Bubule. Bref, Bubule qui passe niveau 40, lui on l'a battu. Du coup, on va mettre Vegeta, tiens. Allez. Bah là, il doit avoir un objet. Ouais, un élixir. Ensuite, il n'y a rien d'autre. Bah, on va prendre l'échelle. Allez, c'est parti, on prend l'échelle. Ok. Ah, j'ai l'impression qu'on arrive au bout. Apparemment, lui, c'est l'homme de confiance de Ezekiel. Armaldo. J'aurais préféré avoir Bubule, là, mais bon. Sur Dansefleur, on lui fait des gros dégâts, je pense. Hein. Armaldo, il a pas une défense spéciale énorme. Là, on va lui faire x1. Est-ce qu'on peut le one-shot? Dommage, presque. Dommage. Bon, la deuxième Dansefleur qui le met KO. Faudra juste voir qu'est-ce qu'il va envoyer derrière. Ok, d'accord. Ah bah on remet Dansefleur. On a un troisième coup de Dansefleur qui fait pas mal de dégâts. C'est pas dégueulasse. Par contre là on est confus du coup. Et on va switcher. On va envoyer Piggy. Je pense pas qu'il mette une attaque plante. Ouais, c'est ça. Il met pouvoir antique. Et là, je pense que sur Éclat-Glace, on peut l'avoir. J'espère. Ouais. Ça passe. Parfait. Hop, Piggy qui est presque niveau 40. Bah, on avance, hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Ezekiel. Tu dois être le justicier dont on m'a dit de faire attention. Tu es un assistant du professeur Redwood, correct? Eh oui, c'est ça, c'est moi. Comme c'est triste. On pourrait penser que quelqu'un avec son intelligence comprendrait nos plans. C'est dommage, en effet. Tu vois, ce ne sont pas les actions d'un culte quelconque. Nous accélérons simplement les plans de la nature elle-même. Oh là là. Les anciens d'Orctus comprenaient l'importance de notre culture. En fait, cette chambre même a été construite par les anciens. Et quels architectes fantastiques qu'ils étaient. Cela va te prendre un millénaire pour passer à travers ce mur. Mais n'importe quoi, la porte elle est ouverte. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, il l'a fermée. Il a fermé la porte. Oh, le filou. Il n'y a plus de repousse, on s'en fout. On s'en fout. Alors, du coup, là, on va juste... Oh, mais bah, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Non, on va pas surfer. Et là, il n'y a rien non plus. Très bien. Bah, on va essayer d'ouvrir la porte, hein. Il y a un truc sur le mur avec des nombres. Essayez de le résoudre. Ouais, vas-y. Oh non, c'est du braille. Oh, c'est du braille, mais je suis pas bon en braille, moi. Bah, il va me falloir un stylo. Hop. Alors, comment on va la jouer? Je connais certaines lettres, mais vraiment, j'en connais pas beaucoup. Genre là, le premier mot, la première lettre, si je me trompe pas, la première lettre, c'est un C. La deuxième lettre, c'est un O. Après, je sais pas. Et la dernière lettre, c'est un T. Donc, c'est un mot qui commence par Co et qui finit par T. Le mot d'après, bah, la première lettre, c'est un T aussi. Après, je sais pas. Et la troisième lettre du deuxième mot, c'est un E. Ça, j'en suis sûr. Donc, ça doit être genre 2. Donc, la lettre du milieu, ça doit être un H. Et donc... Donc j'imagine que le premier mot, ça doit être genre un verbe. Genre truquer le machin, quoi. On va voir c'est quoi la suite. Alors là... Alors le deuxième mot, c'est un mot de deux lettres. Donc ça doit être peut-être on ou... Non, c'est in. C'est ça, c'est in. Parce que le premier, c'est le i. Je le reconnais. Le premier, c'est le i, donc... Le deuxième mot avec les deux lettres, c'est in. Donc ça veut dire que ce truc-là, c'est un N. D'accord. Et il y était dans le premier mot. Donc le premier mot, ça veut dire que... Le tout premier mot, ça doit être count. Count, en français, ça veut dire compter. Donc compter les... Quelque chose dans... Dans quelque chose, j'imagine.
Ça veut dire que... Alors, le premier mot, il a la même lettre au début et à la fin. Si c'est compter les quelque chose, ça veut dire qu'à la fin, c'est un S. Donc, du coup, j'imagine que la première et la dernière lettre du premier mot, là, ça doit être un S. Après, il y a le T, il y a le O. Donc, j'imagine qu'après, ça doit être un N, parce que c'est la même lettre qu'il y a dans le mot d'après. Et il y a le E. Donc, count the stones in... Donc, compter les pierres dans... Ok, on y arrive, hein, petit à petit. J'espère que la phrase n'est pas trop longue. Donc là, la première lettre, c'est un E. Après, c'est un A, je suis sûr et certain. Le point tout seul en haut à gauche, c'est un A. Après, c'est un C. Et donc, l'autre truc, le dernier, on a dit que c'était un H. In each, donc dans chaque. Et le dernier mot, par contre, il y a deux O au milieu. Mais la première et la dernière lettre, je sais pas du tout c'est quoi. En tout cas, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut compter les cailloux. Et apparemment, on peut rentrer un nombre. Donc il faut compter les... Ah bah, il y a des cailloux là sur les côtés, bah voilà. Donc on n'a pas besoin de connaître le dernier mot. Il faut juste compter les cailloux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19. Il y a 19 cailloux. Allez, dis-moi que c'est ça. Alors... Hop, allez, on monte. Non, mais laisse-moi monter, voilà. 19. Oui, j'entre la combinaison. Et il se passe rien, voilà. Est-ce qu'on a bien compté? Oh, je sens que ça va être une misère. Alors, 1, 2, 3, 4. Non, mais... Oh, je veux remettre... Faut que je remette un... Non, je vais juste l'éclater, lui. On va pas remettre de repousse, ça sert à rien. Non mais sérieux, j'ai même pas fait un pas. Laissez-moi jouer. Hop. Ouais, il y en a 4. Ensuite, il y en a 5. Ensuite, il y en a 1. Et ensuite, il y en a 9. 4 plus 5, 9. Plus 1, 10. Plus 9, 19. Donc c'est ça. Ou alors, la phrase disait... Comptez les pierres dans chaque... quelque chose. Donc peut-être que là, il y en a 9, et là, il y en a 10. Donc peut-être qu'il faut mettre 9 et 10. On va essayer. Du coup, là, on met, 1 et 0. Et là, on met 9. 0, 9, et ensuite 10. Je pense que c'est ça. Allez. Et il se passe rien, voilà. Ça commence à me prendre la tête. Oh, mais qu'est-ce que... Ou alors peut-être compter les pierres dans chaque peut-être dans chaque rangée. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont organisés par groupe. Genre, il y a un premier groupe tout à gauche de 4 pierres. Ensuite, là, il y en a 5. Après, là, il y en a une toute seule. Et ensuite... Bon, après, la dernière ligne, elle n'est pas vraiment droite. Ça part un petit peu sur le côté. Mais on peut dire qu'il y en a 9. Donc peut-être genre 4, 5, 1, 9. On va essayer ça parce que j'y crois pas du tout, hein, mais on est désespéré. Donc on va faire ça de gauche à droite plutôt. 4, on a dit 5 après. 1 et 9. Allez, dis-moi que c'est ça. On fait 9. Oh, c'est ça. Oh, magnifique. Oh là là. Bobby, il résout des énigmes de père en fils. On va m'appeler Sherlock Holmes. Magnifique, parfait. Oh non, par contre, je me suis pas soigné, ça va être une misère. Bon, c'est pas grave. Impressionnant. Peut-être que je t'ai sous-estimé. Ça ne t'a pas vraiment pris un millénaire. Ah bah pas du tout, ça m'a pris à peu près 10 secondes. Allez, 5 minutes. Néanmoins, j'ai ce pourquoi je suis venu. Ok. Donc il a dû capturer le dernier golem, j'imagine. Et maintenant, je vais t'écraser. Vas-y, viens. Viens, je suis pas soigné, mais c'est pas grave. On va quand même le défoncer. Ok, Ezekiel, c'est parti. Il nous envoie Hermure. On va essayer de lui mettre poudre dodo. On va méga évoluer poudre dodo. Juste pour pouvoir switcher de manière safe, quoi.
Allez, réussis ta poudre dodo, s'il te plaît. Ouais, ça passe. Bon, ce poudre dodo, c'est 75%, donc... en général, ça passe. Ok, il dort. Donc, on va pouvoir switcher sur singerie. Et je pense qu'avec lance-flamme, on va le mettre KO en un ou deux tours. Allez. Allez, des gros dégâts, s'il te plaît. Voilà, magnifique, magnifique. On peut compter sur Saint-Gély, toujours. Ok, un de moins. Il en reste quatre. Ouh là là, j'ai l'impression que c'est méga Galoking. Mais attends, mais sur Close Combat, il peut rien faire. On est plus rapide, on met Close Combat, on va le défoncer. Ok, méga évolue, il est niveau 45. Hein. Un méga Galoking niveau 45. C'est pas de tout repos. Allez. Oh, on lui a fait juste la moitié. Ah, c'est chaud. En plus, on a plus de Close Combat là derrière. Bon, il nous fait séisme, il va nous défoncer, hein. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut envoyer? On peut envoyer Bubule. En espérant qu'on soit plus rapide. Je pense qu'on est plus rapide parce qu'on a l'objet qui nous permet d'avoir plus de vitesse. Ouais, on est plus rapide. Allez, dis-moi qu'on fait des bons dégâts. Oh, mais on fait rien du tout. Oh, c'est chaud. Oh, il est tellement pété, ce Pokémon. Bon, je pense que Hologramme peut le terminer. Allez. J'ai confiance. Avec une bonne balle ombre. Voilà. Bon, au moins, on l'a eu. Lui, je pense que c'était son Pokémon le plus fumé, donc... ça va, il lui en reste 3. Kaorin. Oh, parfait. Parfait. On va le défoncer. On va tellement le one-shot. Et oui, voilà. Mais maintenant que Hologramme a évolué, c'est terminé. Il n'y a rien qui lui résiste. Enfin, je suis pas sûr qu'on aurait pu one-shot le Mega Galoking avec Hologramme, mais bon. En tout cas, les autres, on leur fait très très mal. Ouais, là, je suis pas sûr qu'on puisse one-shot non plus. Ouais. Il augmente... ça augmente la défense spéciale. Ah, pas top. On va continuer, on va voir. Hein. Est-ce que ça passe? Ouais, c'est ce que je me disais. Ça passe pile pas. Il nous fait un coup critique, mais il nous enlève même pas la moitié. Par contre, la guérison, elle tombe pas très bien. Est-ce qu'on switch? Ouais, j'ai envie de switcher. Vaut mieux garder Hologramme en vie. Je vais mettre Vegeta. Ok, il nous fait pouvoir antique. On devrait bien tenir. Ouais. On tient bien. Et là, on balance la danse fleur. On balance la danse fleur. Je pense qu'en deux coups, on peut l'avoir. Ah non. Non, il résiste beaucoup trop. On l'aura pas en deux coups. Dommage. C'est vrai qu'il a augmenté sa défense spéciale. J'y ai pas pensé. Ah, j'ai été bête. Bon, on tient avec 6 PV. Est-ce qu'on essaie d'attaquer? Je pense que Vegeta pourra nous servir. On va le garder. On va sacrifier Top Esclave. Allez, Top Esclave. Voilà. Il se sacrifie pour la cause. Pour le plus grand bien. Ok, derrière. Je pense qu'il a plus d'objets de soins, le mec. Donc là, on peut envoyer Piggy et mettre éclat glace. Juste pour mettre KO. Voilà, le Vasilis. Ok, Piggy qui passe niveau 40. Et le dernier, qu'est-ce que c'est? Doublade. Oh là là! Bon, on a toujours Hologramme, donc je pense qu'on est bon. On va tenter un tunnel. On est plus rapide. Il me semble pas que ce Pokémon ait lévitation. J'espère pas. Ah mais oui, mais il a le talent qui permet de... Oh, il a pas réussi à nous tuer, tant mieux. Mais bon, là derrière, de toute façon, il nous met KO. C'est vrai qu'il a le talent qui lui permet de toucher...
quoi qu'il arrive. Hop, je pense qu'avec hologramme, de toute façon, on est plus rapide. Et avec la balle ombre, on le met KO. Et voilà, parfait. Oh, c'était... On n'était pas soigné, mais on a bien joué le coup. On a bien fait de garder hologramme en vie. Et on a battu Ezekiel. Alors, tu vois, tu vas m'écraser, Ezekiel, hein? Je ne crois pas. Ok, il nous dit qu'ils ont réussi à achever chacun de leurs objectifs en dépit de nos efforts infantiles. Les New Elders vont mettre ce monde putride à genoux. À ce point-là. Et c'est une promesse, gamin. Une fois que Régis Teal sera complètement éveillé, tu seras le premier à ressentir mon courroux. Ah, il est pas content, Ezekiel, hein? On lui a mis une belle sauce et il est pas content. Bon, il y a Jane qui nous attend, comme d'hab. Te voilà! Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Je viens de voir les New Elders qui partaient. Laisse-moi deviner, c'est toi qui les as fait fuir, pas vrai? Exactement! Je savais que je n'aurais pas dû hésiter à venir ici. J'ai raté toute l'action, encore une fois. Blague à part, tu vas bien? Laisse-moi soigner tes Pokémon. Voilà, c'est ça! C'est ça dont j'avais besoin. J'avais besoin qu'on soigne mes Pokémon. Donc, ils ont capturé Régis Teal. Eh oui. Dommage. Ça signifie qu'ils ont les trois. Régirock, Régis et Régis Teal. Ouais, ça signifie ça exactement. Quelle est la suite de leur plan maintenant? Bien, si on ne sait pas, la seule chose qu'on peut faire, c'est se préparer en attendant. Est-ce que tu as entendu parler du nouveau champion d'arène de Precimos Island? Tu devrais essayer d'obtenir son badge. Tu es un dresseur très talentueux. En fait, tu pourrais même être le nouveau champion si t'essayais. Ah bah c'est l'objectif, hein. Moi je m'en fous des New Elders, hein. Je veux être le champion. Tu as seulement besoin de 3 badges en plus à partir de maintenant, pas vrai? Pense-y, mais c'est déjà tout réfléchi. Je veux aller à la Ligue. Je te rattraperai à Precimos Island, bye. Ok. Donc apparemment, il faut qu'on continue vers Precimos Island. Donc ça doit être vers le nord, j'imagine. On va laisser Vegeta en première position, comme on va surfer de toute façon. Et ouais, on va mettre aussi un repousse, tiens. Non, je veux pas aller dans les Pokémon, je veux aller dans le sac. Alors, un petit repousse. Ça fait toujours plaisir. Ouais, je vais checker tes Pokémon de type O, tiens. Aline, il nous envoie Loclas. Oi, oi, oi. C'est tellement pété, Loclas. Mais bon, on va le défoncer, le Loclas. Méga évolution, hop. Danse-fleur dans ta bouche. Et ça va être terminé en un coup. Hop, tu vois ta vie qui descend, et boum. Allez, bisous, Loclas. Salut Aline, c'était vraiment bien comme combat, j'ai apprécié. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a un objet caché par là? Non, il n'y a rien. Ah, là on peut plonger, mais on n'a pas encore la CS plongée. On va juste essayer d'affronter ce mec là. Allez, on va y arriver. Voilà, parfait. Qu'est-ce qu'il nous envoie? Il a 2 Pokémon, Love Disc. Ok. Bon, de toute façon, on va continuer sur Danse-Fleur. Hein. Bon, ça nous fait perdre un peu de temps à méga évoluer à chaque fois. Mais ça nous permet de nous assurer qu'on one-shot, quoi. Voilà, parfait. Et derrière... ah, c'est l'évolution. Non, c'est pas l'évolution, ça. Je sais plus comment il s'appelle, en tout cas. Je me souviens plus si c'est l'évolution de Love Disc ou si c'est un Pokémon à part. En tout cas, je le trouve assez moche. Hein. Clairement. Bref, on l'a défoncé. Là, il n'y a rien. On continue de monter. Ah. Oh, il veut un combat, lui aussi. Tu n'as pas de crème solaire, tu vas attraper un coup de soleil, il m'a dit. Mais moi j'ai des vêtements, hein. Je suis pas tout nu comme toi. Hein.
Ah, là, on va faire pareil. Dansefleur. Je pense qu'il doit avoir que des Pokémon haut, encore une fois. Allez, vas-y. Balance ta Dansefleur. Oh, yo, yo, les dégâts. Magnifique. Par contre, je pense qu'après ce combat, on va switcher. On va enlever Vegeta. Parce que là, il va être presque niveau 42, du coup. Hop, 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 hop. Voilà, tu tombes KO. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, oh, bah, on a l'évolution. Je sais plus s'il est de type vol, lui, ou pas. Je pense qu'il est seulement de type eau. Ouais, c'est ça. Il est seulement de type eau. En tout cas, il n'est pas de type vol, ça, c'est sûr. Ok, ça c'est fait, une petite Pokéball, un PV up, c'est cool, il n'y a pas d'autre objet. Bon bah on va continuer. On a dit qu'on switchait, alors. On met Bubule, allez on met Bubule. On aime bien Bubule, on aime bien le voir. Alors c'est par où? C'est par là. Un petit combat. Elle veut regarder quoi? Mes Pokémon? Je vais te les montrer, mes Pokémon! L'ombre. On va spammer Kalinri, là, tranquillement. Ouais, on fait des bons dégâts, quand même. C'est pas dégueulasse. Et derrière... Oh, Ludicolo. L'évolution. Ah, bon, on rate la Kalinri, parfait. Là, il va nous faire des bons dégâts. Ouais, il nous fait assez mal. On va réessayer. On rate encore la Kalinri. Bon, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, il fait surf. Il est un peu bête. Et comme ça m'a saoulé, on switch. On va switcher sur Hologramme. Hologramme Bomberk. On va le défoncer. Allez. Défonce-moi tout ça. Voilà, parfait. On a battu Trisha. Alors. Ah, il n'y a plus de repousse. Ouais, on remet un repousse, hein. Pas de problème. Ah, bah, on est arrivé. On va juste regarder à droite, qu'est-ce qu'il y a. Ok, j'ai l'impression que ça... Ah non, ça s'arrête, là. Ça s'arrête ici, ok. On est arrivé à Precimos Island. Ok, elle dit rien d'intéressant. L'hôtel Precimos a tellement d'invités intéressants. Très bien. Donc apparemment, il y a un hôtel dans cette ville. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah, quelle vue! J'adore vivre à côté de la mer. Ah bah, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. J'aimerais bien, moi aussi. Ah, lui, il nous dit qu'on le dérange. Il essaye de bronzer. Ok, lui, il court sur la plage. Pas d'objet ici. Qu'est-ce qu'on a, là? Non, je veux pas mettre de... Je me suis trompé, j'ai mis un repousse, ça sert à rien. Elle bronze aussi. On va aller voir en haut, là. Qu'est-ce qu'on a? Une CT. Gonflette. Ah, gonflette, c'est pas mal. Ça pourra peut-être nous servir. Ah, un rappel. Un rappel sur le caillou, ça c'est cool. On est allé dans cette maison ou pas? Je crois pas. Ok, on s'en fout de ce qu'il dit. D'accord, ok, elle est toute contente. Elle veut échanger notre ball, on s'en fout. Bienvenue au Precimos Island Diving Tours. C'est quoi? C'est genre un... C'est un club de plongée? Un groupe est actuellement en sortie, en train d'explorer les environs. Revenez plus tard. Très bien. Il faut revenir plus tard. Ok. Bon, là, on a fait toute la plage. Là, il y a une boutique. Est-ce que tu as entendu? Ils ont récemment assigné un nouveau champion d'arène. Ok. Très bien. On va aller voir dans la boutique. On pourrait peut-être acheter quelques Ultra Balls. Ouais. On va acheter une dizaine d'Ultra Balls. Non, mais je voulais pas acheter que ça.
Un peu d'hyper potion aussi. On sait jamais. Des rappels, on en a. Bon, allez, on va en racheter aussi. On a de l'argent, autant l'utiliser. Et puis c'est bon, ça suffit. Ouais, des super repousses. C'est surtout ça qu'il faut acheter, voilà. On va en acheter 20. Parfait. On a tout ce qu'il nous faut. On est équipé pour le voyage. Alors ensuite... Ah, c'est la maison du... C'est la maison du mec qui t'apprend... Ah bah non, c'est une femme. Mais c'est pareil. On m'appelle Madame Move. Quel nom stupide, je le déteste. Bah tu m'étonnes. Promets-moi de ne pas m'appeler comme ça, ok? Très bien. Je peux faire en sorte que tes Pokémon se souviennent de leurs anciennes attaques. En retour? Ne m'appelle jamais Madame Move. Jamais. Ok. Faut juste que je l'appelle pas Madame Move. Donc ça veut dire que c'est gratuit. Je peux apprendre autant d'attaques que je veux gratuitement. C'est cool ça. Bah nous ce qu'on veut c'est apprendre pouvoir antique à Piggy pour qu'il puisse évoluer. Voilà, pouvoir antique. Hop. Oui je veux l'apprendre à Piggy, tout ça. On va lui mettre à la place de puissance cachée. Ok. Parfait. Reviens me voir quand tu veux. Ok, bah c'était sympa, merci. Bon, je regarderai une autre fois s'il y a d'autres attaques à apprendre, mais là, je pense que c'est tout ce qu'on voulait. On va aller se soigner au centre Pokémon aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Tu veux entendre quelque chose d'extraordinaire? Il y a un maître des capacités pour les éclavaires qui vit sous l'eau. Ah, c'est... Ok, très bien. Donc, quand on aura plongé, on pourra aller voir le maître des capacités qui utilise des éclavaires. Ok, ok. Bon, là, on est tout soigné, tout beau, tout propre. Hop, on va aller voir dans cette maison. On va vite fait faire un tour avant de s'arrêter. Ok, lui, on s'en fout de ce qu'il dit, clairement. Non, le repousse, on s'en rend complet. Le repousse, c'est bon. Ok, apparemment, on peut aller dans l'arène. On va pas la faire tout de suite. On va juste parler à ce mec. Ok, très bien. L'ancien champion d'arène s'est retiré. Et il y a un mec qui est venu en remplacement. Mais en gros, l'arène, c'est une arène de type psy. Ouais, non, mais on sait très bien comment battre des Pokémon de type psy. Bah nickel, on a Hologramme maintenant qui a évolué en Ectoplasma. On va la défoncer, l'arène. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, ça doit être l'hôtel. Ok, là, on s'en fout. Est-ce qu'il y a un objet sur le caillou? Eh oui, 5 éclats jaunes. Parfait. Ah, lui, il nous donne une Castelliacon. Très bien. On va juste aller voir l'hôtel, vite fait. Oh là là, il y a plein de gens. Oh, il nous donne une Regal Stone. Une pierre qui régale. Il n'y a rien de très intéressant. Donc... Je leur parle très vite parce que... Ah, elle collectionne les objets anciens. Ça peut être cool. Ah bah oui, on avait Relique Silver, c'était ça? Voilà, c'est ça. Elle nous donne 5 000 $ pour la Relique Silver. Donc si on trouve d'autres objets reliques, on pourra lui ramener. Ok, lui on s'en fout de ce qu'il dit. Ouais, lui aussi on s'en fout. Lui nous parle de la glace. Salutations, mon cher monsieur. Le Precimos Hotel vous accueille. Ok. Très bien. Merci. Alors, lui, il nous vend des trucs. Ouais, Freshwater, tout ça, on s'en fout complet. Et là... Ok, là, on peut continuer. Est-ce que tu as entendu? Il y a un nouveau champion d'arène. Ouais, j'ai entendu ça. Ah, là, on est bloqué. Ok, le mec a l'air suspect, il nous dit qu'il est pas très suspect. D'accord. Donc j'imagine que là on peut pas passer tant qu'on n'a pas battu l'arène. Bah on fera ça la prochaine fois. Parce que là on a fait le tour de la ville. Dans le prochain épisode, on fera l'arène. On va l'éclater avec hologramme, ça va être magnifique.
Et puis derrière, on ira voir ce qui se passe dans l'hôtel. Parce que j'ai l'impression qu'il se passe un truc bizarre à l'étage de l'hôtel. Bref, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Et bisous bisous.